Ils sont chauds, hein. Le stade de France, c'est très chaud. Comme ça fait plaisir d'être là. Vous savez pas, quand on voit d'où on vient jusqu'à aujourd'hui, là où on est, c'est incroyable. Merci d'être là et de me soutenir depuis plus de 25 ans. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Vous savez, en général dans les chansons, j'essaye de mettre du fond, de la forme, changer de style, essayer de mettre tout un message à travers chaque morceau que je fais. Et vous savez, je ne peux pas fermer les yeux sur l'actualité. En ce moment, il se passe tellement de choses que je me dois, et avec force, rendre hommage à tous ceux qui descendent dans la rue pour défendre leurs droits, leurs droits et leur dignité. C'est tellement important. Personne n'est parfait, mais on se bat pour nos enfants. Des fois, on fait des trucs insensés pour nos enfants. Donc, une grosse dédicace à tous ceux qui sont dans la rue, qui se battent pour leur droit. Ce sont la retraite ou l'autre. On pense à eux, on pense à eux, on pense à eux. Surtout qu'il y a 2 ans, on a eu l'exemple. L'exemple comme quoi il faut écouter ceux qui descendent dans la rue. J'aimerais rendre hommage à toutes ces personnes qui se sont battues pendant le Covid, pendant le confinement, pour qu'on puisse avoir un peu de dignité à la maison, pour qu'on puisse gérer et soigner les enfants, les parents. Combien de personnes n'ont pas pu enterrer leurs proches? Combien de personnes n'ont pas pu être au chevet de leurs proches? Mais grâce à certaines personnes, aujourd'hui nous sommes là et nous faisons la fête tous ensemble et peut-être avec des personnes qu'on n'a pas vues pendant le confinement. Donc s'il vous plaît, j'aimerais que vous fassiez du bruit à tous nos héros du quotidien ce soir! J'aimerais vous entendre chanter. On ne se connaît pas, mais je pourrais vous dire la vie. Si vous savez quand même, vous avez changé ma vie. Sans vraiment savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi,